en ce moment, ce qu'il est capable de faire, le calme, euh, le, le jeu physique qui commence à ressortir encore plus. Écoute, hein, il sort la hanche, tu vois, qu'il ramasse les gars, puis ça n'a pas l'air à faire, à faire euh, du bien. <laughs> il ramasse les gars, je pense pas qu'il va virer comme un gars qui est capable de fighter. Son offensive, il fait. On revoit un peu le gars dans la NCA, dans les premières saisons de la NCA, qui prenait plus de chances en offensive, puis que oui, des fois, il faisait juste pas la rondelle où il ne voyait pas le jeu comme il faut. Mais là, on voit qu'il est capable de voir quoi faire, prendre la bonne décision, même si c'est des décisions simplistes, juste dumper. Il prend confiance en plus de se, de se baser sur un jeu défensif qui est vraiment solide. Oui, des... J'ai adoré son début de saison à Laval. Euh, C'était le seul défenseur qui apportait de la stabilité en début de saison. C'était un début de saison difficile avec beaucoup de jeunes. Puis Struble, c'était comme si c'était un vétéran qui avait joué cinq saisons dans la Ligue ouais. américaine. C'était ça, Struble. Puis son rappel était mérité. Euh, Struble, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité à être physique dans la Ligue nationale dans un jeu encore plus rapide que dans la Ligue américaine. Bien timé, c'était des choses qu'on on anticipait aussi. J'ai été très surpris de le voir aussi à l'aise de se porter à l'attaque. De prendre les décisions de monter en zone neutre, d'appuyer l'offensive, j'aime sa confiance. Puis je suis content que ça aille bien présentement, même si je l'ai peut-être désévalué, je l'ai évalué à la baisse en NCAA. Parfaitement.